Bienvenue dans ce coloriage en direct, dans ce tout nouveau livre de Joanna Basford, Rooms of Wonder, qui s'appellera en français La Maison des Secrets. Welcome on this live coloring in the brand new book by Joanna Basford, Rooms of Wonder, which will be called in French The House of Secrets. It's such a wonderful book, my dear friends, and today we are going to work on the Wizards Workshop. This page is in free download. You have the link in the info box and you can download it for free on Joanna Basford's website. Alors aujourd'hui, on va travailler sur l'atelier du magicien. C'est une page que vous pouvez imprimer en téléchargement gratuit. Elle se trouve aussi dans le livre. Si vous préférez colorier dans le livre, elle est juste un tout petit peu plus grande dans le livre. Mais je vous ai mis le lien en barre d'infos, comme ça vous pouvez télécharger la page. Alors, vous avez été nombreux à me demander comment j'avais fait cet effet lumineux, orbe lumineux sur cette page. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais un tutoriel spécialement consacré à faire cet effet. So you've been many to ask me how I've made this effect of orb. I don't know if we say orb like that in English, crystal ball maybe, and that's why I make a tutorial today, especially dedicated to show you how to make this, because actually, you know what, it's not very complicated. En fait, vous savez quoi, c'est vraiment pas compliqué. Alors, pour faire cet effet orb, vous avez besoin de 4 crayons de couleur bleue, un noir et un blanc. So, to make this orb effect, you need 4 blue pencils, a white and a blue. So, I use Prismacolor, but you can use any other brand you have. You see, you have a middle blue, a light blue, a very light blue, and a dark blue, plus black and white. Voilà. Alors, moi, j'utilise les Prismacolor. Donc, en Prismacolor, je vais utiliser le bleu nuage, le blue slate, light cerulean blue et bleu Copenhague. Mais si vous n'avez pas les Prismacolor, c'est aucun souci. Vous prenez un bleu clair, un bleu moyen, un bleu clair, un bleu très clair et un bleu foncé. Plus le blanc et le noir, le blanc est notre outil de base. C'est l'outil dont je me suis le plus servi sur cette page. On dirait pas comme ça, parce qu'elle est tellement sombre. Mais je vous assure que le blanc, ça a été le crayon dont je me suis le plus servi sur cette page. The white pencil is the one I've used the most on this page. It doesn't look like that when you see the page here. But you know what? This is the most used pencil on this page. So I'm going to read the chat and then we'll begin straight away with this orb effect. Alors, je vais lire le chat et vous saluer tous. Et ensuite, on va commencer immédiatement avec l'effet orb. Alors, je vois que vous êtes super nombreux. Merci beaucoup d'être là. I can see you are so many. Thank you so much being here. I see Lise. I hope you succeeded to connect at the right time, dear Lise. Bonjour Fabienne. Hello Kennedy de Logos fan. I don't know you. Welcome. Welcome on my channel. I'm very happy to meet you. Hello Donna. Hello Karen. Hello dear Angela. We have Vivienne from South Africa. Hello dear sisters. On a Coquelicolor qui est là. Bonjour Coquelicolor. We have Daniela from Brazil. Hello Daniela. Liz say, so excited, love the new book, I love it too so much, Liz. On a Christine Maury qui est là, bonjour Christine, Céline Lemoine, Julie Childs, hello Julie. It's just started right now. Thank you Angela for being here and helping me with the chat and the little problems we could have during this chat. On a ma Chantal qui est là. Coucou ma Chantal, ça me fait trop plaisir de te voir. Bonjour Marie, Martine Fontaine. Hello Cheryl, how are you Twincy? On a Stéphanie, bonjour Stéphanie. Christelle Book, Sandy Lee, salut Sandra, tu vas bien? We have Emily here. Emily says I'll be lurking. Perfect Emily, I'm so happy to see you. On a Miss Pondy mais pas que qui est là. Bonjour à toi Alicia. Karen Jill says, I just found your channel and subscribe. Thank you so much for subscribing, Karen. Karen says, I love how you colored this page. I'm coloring it now. Wonderful. You have until Monday to enter Johanna's competition if you wish. So until Monday at midnight. So you still have 3 days to complete the page if you wish to enter the competition. It's a random draw. Everyone can enter the competition. The only condition is to color the whole page. Alors, vous pouvez
participer à la compétition de Johanna Basford avec cette page, vous avez jusque lundi minuit, heure anglaise. Ça veut dire 1h du matin chez nous, la nuit de lundi à mardi, 1h du matin en Belgique et en France. Pour colorier cette page, c'est un tirage au sort, il n'y a pas besoin d'aptitude particulière. La seule chose que vous devez faire, c'est simplement colorier la page en entier et la poster sur la page, la galerie de Johanna Basford. Alors, je vais vous montrer comment j'ai commencé cette page avec mon amie Flo Scolor, Florence, qui était à la maison avec moi. J'ai pris ce livre, vous voyez, Coloris Special Effect. C'est un livre qui vous enseigne plein de façons de colorier. Ce sont des tutos écrits. So when I began this page, I remembered there were some planet tutorials in this book. So I just flipped through the book and suddenly I saw this. And I said, oh my God, that would be perfect for my wizard workshop. Et donc en feuilletant ce livre, je suis tombée sur cette page et je me suis dit, oh là là, trop bien, c'est parfait pour mon atelier du magicien. Et donc j'ai suivi ce tutoriel, je vous ai mis le lien du livre en barre d'infos, c'est le 4 ici. I've given you the link of the book in info box, it's the number 4. So today I'm going to show you all the steps of this book with, of course, as usual, my explanation and all my tips and tricks to succeed this orb, crystal ball. This was the first time I was doing it and I've succeeded the first time. So this is very, very well done, very well explained. Alors voilà, en fait, c'est super bien expliqué, tellement bien expliqué que j'ai réussi mon orbe du premier coup. C'est pas ma deuxième page, c'est ma première page, je l'ai faite, bim, boum. C'était bon, c'était fait, ce livre est très bien expliqué. Le seul problème, c'est qu'il n'est pas traduit en français. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous faire le tutoriel et je vais vous traduire toutes les étapes en français. Et donc, on va travailler sur une page en téléchargement gratuit que j'ai ici, qu'on a imprimée. Je ne vais pas la faire dans le livre parce que la planète est un petit peu plus petite sur cette page-ci et donc ça ira plus vite pour moi. C'est pour ça que je fais sur cette page, mais si vous souhaitez faire dans le livre, évidemment, vous pouvez. So today I'm going to work on the free download page. I use a paper 160 grams from Claire Fontaine. You can find also the link in the info box. It's a very smooth paper without a grain and so it's very easy to make some coloring on it without having to apply too many layers to fill the grain of the paper. And you see, I've used also water because I've used Albrecht Dürer watercolor pencils on the background and it doesn't buckle. So it's a perfect paper. It's quite similar to coloring book, except it's a little bit more smooth. If you don't like smooth paper, this one is not for you, but me, I really like it. Alors, j'aime beaucoup ce papier. Ce papier, c'est le Claire Fontaine Claire Alpha. C'est un papier très lisse. Il y a très peu de grains, même, voire pas du tout, dedans. Moi, j'aime beaucoup. Si vous aimez travailler avec du grain, alors ce n'est pas le papier qui est fait pour vous. Mais moi, j'aime bien ne pas devoir mettre trop de couches, en fait, pour colorier sur mes pages imprimées. Et donc, avec un grain aussi lisse, ça permet d'avoir très rapidement un bon rendu. J'ai travaillé avec des Albrecht Dürer ici. On ne voit pas du tout que ça a percé ni gondolé. Ce papier, 160 grammes, il est vraiment parfait. Il rentre très bien dans l'imprimante et ça permet de faire des jolis coloriages sur des téléchargements gratuits. Alors, je lis un petit peu le chat et puis on commence. I'm reading the chat and then we are going to begin. Liz, now here it's 3 p.m. for me. So we have 1 hour jet lag, you and I. You are 1 hour earlier than me. Laure qui est arrivée, je pense pas que je t'ai déjà dit bonjour. Bonjour Laure. Hello Paula, thank you for joining. On a Madame Alou des îles qui est là. Ah oui, heureusement que tu es venue vérifier, Madame Alou. Tu es là pile à l'heure. Miss Pond dit, mais super, on va passer un bon moment. Eh ben, j'espère aussi. Liz says, 4 books, oh my, I will have a look. Yes, they are all wonderful. And all the books have tutorial written in different steps to make many amazing effects. So it's really a wonderful book. Socal Colorista, who says, hello Barbara, hello. We have Kirsten. Hello, Kirsten. Bon, alors, les amis, c'est le moment de commencer. Je vais enlever mon livre puisqu'on ne va pas travailler dedans maintenant. Et je vais vous laisser l'orbe ici en modèle. Et je vais tout de suite commencer avec mon livre. And I'm immediately going to begin with the book. So, the first step is to take the blue slate. This is a brand new one, you see. Blue slate, 1024. And you see, we color the inside of the orb, leaving a few white dots. And we make like rays on the outside. So I think it was quite difficult to make not straight,
straight line, so you'll see I'll make it a little bit easier because this step, I think it's not very easy to make it with colored pencil. So I've changed a little bit, but you see I've reached the effect anyway. So I'll show you how I've done. Voilà, c'est le premier taillage d'un tout nouveau blue slit. Donc, la base, c'est qu'on colorie tout l'intérieur, sauf quelques petits points. Alors, je vais vous zoomer comme ça, vous voyez mieux. I'm going to zoom so you can see better. Oh, sorry, the zoom is always awkward on YouTube with my phone. Voilà. Alors, je crois que je vais faire comme ça vous voyez le tuto en même temps. I think I'll do like this, so you can see the step here at the same time. Voilà, donc je vais simplement recopier ce qu'on a fait là. Donc, je colorie un petit peu partout et je laisse quelques points blancs. Je n'appuie pas mon crayon, puisque c'est uniquement une première couche. So, I'm coloring almost everywhere and I leave some white dots here and there. I don't press my pencil, because it's a first layer, you know. So, no need to press your pencil. Miss Pondy dit, ce soir j'ai une soirée, je dois finir mes gâteaux et me préparer. Je suis le live pendant tout ça, je ne pourrai pas trop commenter. Pas de souci, c'est déjà super sympa d'être là et ça me fait plaisir qu'on te tienne compagnie pendant que tu prépares ta soirée. Alors les amis, parmi vous dans le chat, il y en a combien qui ont complété cette page pour participer à la compétition de Johanna? Dites-moi. Let me know, my dear friends, in the chat here. How many of you have entered Johanna's competition with this page? I've seen so many gorgeous coloring on our Facebook group, Johanna Basford, your page. It's amazing the different ways how people can color this page, a same page and hundreds of different versions, all amazing. I really love it. I also love the idea that we are all coloring the same page together. You know, it's connecting all the colorists all around the world to know that we all are on the same page at the same time. J'adore l'idée dans ces compétitions, en fait, quand je colorie ma page, j'adore l'idée qu'on est plein à la colorier en même temps. Et qu'on colorie tous la même page, ça nous connecte. Ça connecte les coloristes du monde entier. Liz says, I'm going to enter, just finishing up. Wonderful, Liz. Good luck for the little details. With this orb, I've cheated a little bit because you see, I've erased all those details here. I've erased some details, all this. Vous voyez qu'avec mon orbe ici, j'ai effacé tout un tas de petits détails. J'ai un petit peu triché. Bon, si je m'étais écoutée, j'aurais mis du noir tout autour aussi, mais non, j'ai quand même eu envie de tout colorier. C'était chaud, hein. Moi, habituellement, je suis incapable de colorier une page en une semaine. C'était vraiment chaud. S'il n'y avait pas eu Florence, en fait, je pense que je ne l'aurais pas fait. En fait, même quand Florence est venue, je lui ai dit, écoute, j'ai décidé de ne pas faire cette compétition. Cette page est beaucoup trop détaillée, il va me falloir un mois pour la finir. Et puis finalement, dans la conversation, on s'est dit, tiens, si on essayait toutes les deux. Et c'est vraiment comme ça qu'on a commencé la page ensemble. Alors, on a aussi besoin de faire, vous voyez, un petit halo tout autour. Et donc, pour ça, je colorie simplement au-dessus des motifs et je fais comme des rayons de lumière, vous voyez. Mais je ne m'encombre pas de trop de détails. Hein. Simplement, je fais des lignes. Je ne fais pas quelque chose aussi précis que là, parce que ça, c'est un peu compliqué. On rajoutera ces effets-là après avec la gomme. So, here you know, I'm just making some lines with the blue, some places with lines going far away and some places with little holes around the planet. I don't care too much. I don't care at all about the pattern. I'm just coloring above. Kirsten says, I've almost finished mine, but it's not nearly as good as yours. Wonderful, Kirsten, but you know, it's not really a competition. We don't need to make pages that will take hours or with lots of shadows or things like that, like I've done. You just do like you like it, how you like it and how it will make you happy. That's the most important. Johanna pushed us to take our pencil, and if we don't have the time,
No worries, we can color in a less sophisticated way. Vivienne says, hello, watching but coloring something else. Sorry. Don't apologize, Vivienne. I know you've colored this page 3 times. Did you enter your 3 colorings in the competition gallery? Vivienne a colorié cette page 3 fois. Elle l'a fait une première fois à sa manière, avec ses couleurs. Une seconde fois, elle a utilisé mes combos que je lui ai envoyés. Elle a fait un coloriage inspiré du mien. Et le troisième, elle l'a fait en noir et blanc, avec des feutres. Selon une inspiration de notre amie Gail Campbell, qui colorie avec des feutres, juste du noir. Voilà, ça, c'est bien. Ensuite, étape numéro 2. Crayon noir et l'atténuer dans le bleu. So, second step is the black pencil and fade into the blue. So, you take your black. Vivienne says, just the first one. Well, you could also pose the 2 others because you've done them. Johanna has said we can enter a few times if we wish. And at the only conditions that the colorings are different. Laure dit, moi, mais il faut que je finisse. Allez, Laure, on y croit. C'est l'occasion, là. Prends ta page et avance. On a Karine qui est arrivée. Bonjour, Karine. Cheryl says, I'm trying to enter. I'm shy, though. Oh, no need to be shy, Cheryl. Go, 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 and share the joy of the page with us. Alors, avec le noir, vous voyez, je fais un petit peu pareil et je laisse à certains endroits des rayons bleus entrer dans le noir. Donc, je prends en fait en modèle ce que j'ai ici. Pas si vous voyez à l'écran. Oui, voilà, comme ça. Je vais dézoomer un peu, comme ça vous voyez un peu mieux à l'écran le modèle. Voilà. So you see with the black, I'm just trying to make some rays like this one. Vivienne says, thinking about it. Yes, think about it, Vivienne. Tia says, hi Barbara, such a creative coloring project, too advanced for me. Well, why not giving it a try, Tia? You have the free download page. I'm sure I will see lots of beautiful orbs flourishing on our group Johanna Basford Your Page today after this live coloring. On a Claudie de Bretagne qui arrive. Salut Claudie. We have Ingrid from Brazil. Hello Ingrid. Ingrid says beautiful coloring. Thank you so much. This says, could you paint over with the gesso first? Yes, you could if you wish, but we don't really need to, you know. With the white pencil, I've attenuated all the patterns. And as this is a light, we can see through the light. So it's not a problem that we still see some of the lines. So I wouldn't use gesso here because it gives a rough texture to the planet. And I would prefer the smooth one. Donc moi, j'ai pas mis de gesso. Vous voyez, avec le crayon blanc, ça a suffi, en fait, pour atténuer tous les motifs qui sont autour. Et puis, quelque part, ce sont des motifs qu'on voit à travers la lumière. Donc, c'est pas un tort si on les voit encore. Un petit peu, du moins. Manamanou dit les petits pouces, n'oubliez pas les petits pouces en l'air. Merci, Manamanou. Thank you, Angela. Good morning, dit Daniela. What time is it for you? Alors ici, au niveau des traits, je me suis arrêtée. En fait, j'ai recouvert en noir tous les livres. Donc, j'ai carrément effacé 2 étagères. So, here with the black, I have erased 2 shelves. Sorry. I thought there were too many patterns to make in such a short notice. So, I've made the black. I've embraced the black, like you say, Emily. So probably this orb won't be exactly the same as the other one, you know, because we never do twice the same thing when we are coloring, but it's not a problem.
No need to make exactly the same to have the effect. Donc, évidemment, cette deuxième orbe, elle ne sera pas la même. Il ne sera pas la même, c'est masculin, orbe. Il ne sera pas le même que le premier, parce qu'on ne fait jamais deux fois la même chose en coloriage. Mais en soi, ce n'est pas un problème, hein, les gars. Franchement, ce n'est pas du tout grave si on fait des choses différentes. Emily is laughing. We've had some very late conversation, very late for me, not for Emily, about this orb. And I wasn't sure it would be pretty with all this black. And my main worry was how to make fit this black with the rest of the coloring. I didn't know how to do. I almost gave up. But thanks to Florence, who was with me, she said, no, don't give up, just try again. And I've succeeded. We all need a coloring buddy to tell us, keep going. So fade into the blue. So somewhere I go inside the blue with my black. Okay, step number three. So this is a curious step. It's to take the process red 994. So if you don't want to do this step, I don't think it changed a lot to the pattern. I don't know where my process red is. Ah, hey. Oui, mon cœur. Ça c'est dans le titre ou pas? Le souffle de la pierre d'Irlande, le feu. Je pense que le feu c'est le tome 1. Okay. Je crois que c'est le tome. Il faut regarder à l'intérieur. Ça sera marqué à l'intérieur. So you see, we have a tiny dot of process red here, and it's because this tiny dot that I've begun to use process red on the other parts of the coloring and made this kind of color scheme on the rest of the coloring. I could have done the whole page blue, but I would have been bored to make it all blue. So this little dot of process red, that's what made me use process red and mauve on the rest of the coloring. Voilà, donc ici on utilise le process red. Il y a un petit point de process red ici, c'est assez étrange. Ah, je me suis trompée, j'ai pris le neon pink. Alors, ah, il est là mon process red. C'est assez étrange de mettre deux petits points de process red comme ça dessus. Mais les tutos sont bien faits, donc j'ai décidé de les suivre. Et en fait, c'est en utilisant ce process red sur ma planète que je me suis mis à l'utiliser dans le reste du coloriage. Et ensuite, on prend le Light Ceruleum Blue, donc c'est un bleu un petit peu plus foncé, le 904, pour venir dessiner des formes plus foncées à l'intérieur de la boule de cristal. So now we use the Light Ceruleum Blue 904 to make some darker shapes inside the crystal ball. And you see also at the edge of the rays of light. So I make random shapes. I follow a little bit the ones of the book, but it's not mandatory. Just some darker shapes here and there, like if you were drawing continents on Earth. Voilà, ici, on met des formes en bleu un peu plus foncé avec le Light Cerulean Blue. Comme si on dessinait des continents, en fait, sur une planète Terre. On fait la forme qu'on veut. Maintenant, moi, je suis un petit peu la forme qu'ils ont donnée dans le livre. Et j'essaie que ce soit un peu foncé ici autour de ces planètes-là. Comme ça, elles ressortent bien. So now, I'm trying to make it darker around those two planets. So we see them better when I'll make them completely white. Emily says, because it's gorgeous. Thank you, Emily, but you know, I really almost gave up. My first idea was to make a green planet, like I had made on a coloring by Emily Marotta. And I had my coloring and I said, oh, I could make the same planet. It will be nice. And I don't know why. At first, I decided to try the orb and I told to Flo, no, this orb is not pretty. I don't know how to do. I'm going to print it again and make my green planet as I had foreseen. So I printed the page again, you know, this orb almost never see the end of the page. It's really thanks to Flo that I've continued. And thanks to all the people like you, Emily, who have supported me during the work in progress. Vivian says, I like your idea of reducing the little things to color. Yes, it's a little bit cheating, but well, the time is not long to color this page, so no problem if we cheat a little bit. Liz says, definitely need a coloring buddy.
I wish you to find such a wonderful coloring buddy as Florence. She's absolutely amazing. It's a true friendship which has come here the last 3 months, and we spent lots of time together this summer, and it's really wonderful to know somebody like her sharing the same passion. Angela says, Princess Red is one of my favorite colors. Well, you know what? It wasn't mine, but on this coloring, I've used it so much that it has begun to come. It has begun. I'm trying to speak correctly. It has begun to be one of my favorite colors too. It's amazing when you fade it with the Imperial Violet and with the Parma Violet. Kennedy, the Logos fan, says, I'm coloring Johanna Basford's Secret Garden right now. Wonderful! Wonderful! We all celebrating the talent of Johanna Basford with Wombs of Wonder. She has gone a step further. Once again, each time she makes a new book, she amazes me. And this time, I'm really amazed by all the details she has invented. Each page is an adventure, only looking at the patterns. Even if you don't have time to color, just looking at the patterns, and each time you're looking at them, you find new details, new wonders that she has drawn, especially for us. Angela says, oh yes, the first green planet you did was really nice. Thank you, Angela. That's true that Angela saw this planet, because we've made some Zoom sessions with Johanna, with some VIP colorists, and on that day, Angela was there, and I had made the green planet. I wasn't happy with my green planet, but you know, coloring while listening to Johanna, you just want to stop coloring and watching her. And so I wasn't very concentrated on my coloring, so my first green planet wasn't really well done. So I had decided to do it again anyway. But well, finally, this planet will never be green. Daniela says, that's why I love PDF pages. I can reprint if I want to do again. Yes, that's an advantage of the PDF. Céline dit, je fais le tuto et ma fille est à côté de moi. Mais c'est super, Céline. Elle a quel âge, ta fille? On a Marie qui dit, bonjour, bonjour, je vais regarder car je n'ai ni le livre ni le dessin. Alors, je t'ai mis le lien, Marie, pour le télécharger gratuitement. Donc, si tu as envie d'essayer l'effet orbe. Alors, oui, ce que j'ai oublié de vous dire, les amis, c'est que cet effet, il sera très, très beau aussi sur un fond complètement noir. Donc, vous pouvez l'utiliser en plus petit, par exemple, sur un fond dans un de vos livres de coloriage où vous avez un grand ciel, par exemple, que vous voulez faire en ciel nuit. Vous pouvez mettre l'effet orbe dans votre ciel. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans Rooms of Wonder spécialement. So what I wanted to tell you, my dear friends, is that this orb effect, you can make it on other pages. You know, when you have a large night sky, for example, instead of making all the sky black with just a moon on it, you can replace the moon by this orb effect, and it will be very, very pretty, I think. So if you don't have the book, just take another book where you have a large black sky and add the orb. When I've made the miniature for this video, I've just cut the picture that I had done. I've cut it circularly and I've put it on a night sky. And when I saw the miniature, the vignette, I don't know how you say in English, well, the little picture that you see on YouTube, I said to myself, oh, that's very nice, this effect on a black sky. I'm going to give it a try also. But today you asked me for the wizard workshop, so that's what I'm going to do with you. And if you wish, another day of the week, I can show you how I did to color the potions and make the background and the light effect, like if the light was coming from the orb. Just let me know in the comment if you wish that I show it to you. Of course, I won't color again the whole page. I couldn't. It's such a busy page, but I can show you during the next live stream the techniques I've used to make the potions and the shadow and light effect on the potions. Just let me know in the chat.
Dites-moi dans le chat, les amis, sur une prochaine, un prochain tuto en live cette semaine, je pourrais faire, si vous avez envie, sinon on commencera une autre page, je pourrais faire en fait les potions, vous montrer 2-3 potions. Évidemment, je ne vais pas recolorier toute la page, hein, mais je pourrais vous montrer comment je fais l'effet en fait de mettre un effet de lumière sur les potions, l'effet d'ombre. Celles-ci, par exemple, elles ont été toutes faciles à faire. J'ai utilisé une seule couleur, plus noir et blanc, sur toutes ces potions. Et ça, je peux vous montrer. So, these ones were very easy to do. I've just used one color on each jar with black and white. And it was very easy to do. So if you wish, I can show it to you next time before beginning together another page in Rooms of Wonder. On a Frédéric d'Espagne qui est arrivé. Bonjour Frédéric, bienvenue. Est-ce que tu as du soleil chez toi? Daniela says, my favorite book of Johanna is Johanna's Christmas. Oh, so it's nearly the time to color in it, Daniela. Namalou dit, je crois que j'ai à peu près réussi à te copier. Je dirais que j'ai réussi à 40%. C'est pas si pire, comme j'ai entendu dire. C'est bien, ma Namalou. C'est bien. Je sais qu'en live, c'est toujours compliqué pour toi de suivre et de colorier en même temps. Mais si tu es contente du résultat, eh bien, ça me fait très plaisir. Marie dit, merci, je vais l'imprimer pour le faire plus tard. Eh bien, super, Marie. Lise says, I have the owl on the toy form. I am finished off too. I am following the owl you did. Oh, thank you so much, Lise. I enjoy so much to make this page with the little people form. It was such a wonderful experience to dive into my childhood and into the happy memories I have with my beloved grandmother. It was at her home that I had this little people form. Alors, Frédéric demande, quelle est cette page à ma droite? Oui, c'est un livre de tutoriel, c'est Coloris Spécial Effect, Frédéric. J'ai mis le lien en barre d'infos. Angela says, yes, we'd love to see how you did the rest of the page. Thank you for your opinion, Angela. Liz says, yes, please, show the techniques for the rest of the page. Thank you. Thank you. I have 2 votes to show the potions on the next live coloring. So, if you wish the potions, I'll need more than 2 votes. So, just tell me your opinion about it, if you prefer that I show you the potions, or if you prefer that I begin a new page with you. Then we take light cerulean blue. Now it's the step 4, cerulean blue 103. Oh, I hadn't prepared this one. Sorry, I had forgotten. Cerulean blue, where are you? Cerulean blue. And burnish in white. Alors maintenant, il nous faut le cerulean blue. J'ai dit qu'il fallait 4 bleus. En fait, il en faut 5. Juste, je ne sais pas où il est. Alors, je vais le trouver, hein, mais il est quelque part, pas loin. Parce que j'ai rien rangé depuis que j'ai fini cette page. Donc, je vais le trouver. Ah, mais je l'ai remis dans ma trousse. Voilà. Next one is the cerulean blue. Sorry, we need 5 blue and not 4. Frédéric dit, oui, il fait très, très beau et chaud. Ah ben, je vais venir, Frédéric, parce qu'ici, en Belgique, je t'assure, il fait super froid, il y a du vent, il pleut. Enfin, c'est le temps que je déteste. Liz says, I have to make the little people next. Wonderful, Liz. You know that you can trace them from a template I've given to you, hein, if you wish. Donna says, yes, please. And Beth says, hi Barbara and all my friends, thankfully I can rewatch this later. Hi dear Bev, I'm so happy to see you. Kirsten says, yes, show us the potions please. Thank you for your opinion. This says, potion bottles are gorgeous. Thank you so much. Bonjour Manon, bienvenue. Kirsten says, these books are definitely going on my Christmas wish list. Wonderful. So with this one, I just make more fading of the blue into the dark. This is the cerulean blue. Alors, avec le cerulean blue, je viens faire un petit peu plus de blending du noir à l'intérieur du bleu. Vous voyez, je fais des lignes droites. Hein. Ici, c'est déjà très, très joli, très ouvragé. Je ferai les lignes obliques après avec la gomme. So, you see here, I make straight lines. In the book, there are, you see, some waves like this. This is very difficult to make on such a big picture, so I will add it afterwards. The main thing is to keep like a sunshine here around the planet.
And afterwards, I'll remake the waves with this eraser, this perfect eraser. It's with the tiny tip. Voilà, je vais utiliser cette gomme-ci pour faire ensuite les petites vagues. C'est vraiment la gomme parfaite pour faire ça. This says, yes, my children had this little farm too. How wonderful! I couldn't find this farm anymore. When I've looked for it, I've asked to my uncle and my cousin, where is the farm? And nobody could answer. The farm has disappeared. So I had to take only my memories to redraw them and some Google picture. Thank you, Google. Pas de souci, Christine. Tu reviens quand tu veux, quand tu peux. Ça m'a fait plaisir de te voir. Passe une belle journée. Frédéric dit, viens, j'ai beaucoup de chambres disponibles et j'aurai un excellent professeur pour moi toute seule. Ça va, c'est noté. C'est noté que j'ai un point de chute en Espagne. Super. Merci, Frédéric. Je viens avec toi. Ah, Antoine dit qu'il vient avec moi, Frédéric. Je peux venir avec mon petit garçon? Karen says, please show the Persian bottles next time. Thank you for your opinion, Karen. Et Chantal, dis-moi, je préfère qu'on continue encore la page pour faire tes magnifiques effets. Et parfait, merci Chantal d'avoir voté. On a Joanne de Montréal. Bonjour Joanne. Alors ensuite, ici sur mes continents, ben, je viens un petit peu ombrer mes planètes, enfin ma planète. Là où j'ai mis des taches, eh bien, je les fais un peu plus grandes. Enfin, je ne les fais pas un peu plus grandes, c'est l'inverse. Je les fais un peu plus petites. Je repasse dessus, mais sans prendre exactement la même forme. De façon un peu aléatoire, hein, ça ne doit pas être trop précis. So here, I just go above the shapes I've done here on this this kind of planet, like the continent. And I'm scribbling, you know, it must not be too smooth. Voilà, je griffonne, hein, vous voyez, ça ne doit pas être trop, ça doit pas être trop doux, trop lisse. Ça doit être comme un relief sur la Lune, vous voyez, c'est pas... C'est pas complètement lisse et bien rond. Lise says, my farm disappeared too. Good afternoon, Antoine. On a Lise qui te dit, bon après-midi, Antoine. Et Angela te dit en français, bonjour, Antoine. Quand tu as le temps, tu peux venir dire bonjour ici au micro. Frédéric dit, oui, Antoine peut venir avec plaisir. Ah, super. Antoine, il est toujours d'accord de m'accompagner partout. Frédéric is inviting me in Spain, and Antoine said, I want to join. And Frédéric says, okay, he can join. And as some of you know, already know, isn't it, Angela? Antoine is always happy to go with me everywhere. Bon, alors je pensais pouvoir faire cette planète en une heure parce que j'ai l'impression que ça ne m'a pas pris plus d'une heure de la faire avec Florence, mais évidemment, avec vous, on discute et donc ça va peut-être prendre un tout petit peu plus longtemps. Maintenant, je dois faire attention à ma voix. J'ai des petits problèmes aux cordes vocales, donc je suis suivie pour le moment par une logopède qui m'indique que je devais essayer que mes lives ne dépassent pas une heure et que je ne devais pas parler trop fort. Le problème, c'est que je suis tellement contente de vous voir que je suis toute enthousiaste et que je parle un peu trop fort. Et à mon avis, on va un petit peu dépasser l'heure, mais je vais essayer de ne pas dépasser trop quand même. Je vais quand même essayer de finir l'effet orbe avec vous aujourd'hui, hein, puisque c'était le but du tutoriel. Et vous êtes plein à avoir demandé les potions. Donc, la prochaine fois, on fera les potions. Angela says, he's a lovely boy. Thank you, Angela. Lee says, it's a beautiful autumn day today. Oh, what a luck! Here in Belgium, it's an awful day with wind and rain. I'm surprised to have a good Wi-Fi connection because usually when we have this kind of weather, I have problems to make lives. This says, it's lovely. Antoine likes to go with you. Oh, yes, it's so lovely. And when we met Johanna in August, he was amazing because, you know, coloring is my stuff. He likes coloring from time to time, but it's not his passion. And he was incredible. He was with us. He was happy to color. He was so happy to meet Johanna too. And he offered his coloring to Johanna. It was really a wonderful moment.
with Antoine and Chantal. We were the three of us and wow, it was amazing. They just me say, hi, I'm trying to start coloring again. I haven't colored for years. I saw your beautiful picture, Barbara, and it's so inspiring for me. It's stunning. Thank you so much. I want to color now. Ah, thank you so much, Paige. Nothing could make me more happy than knowing that I push you to take your pencils back. Because, you know, it's just the first step, which is the more difficult, is to make some place on your desk and grab your pencil. And once you will have begun, you won't be able to stop. And so the creativity will fill you again. So I'm so, so, so happy if you tell me that you want to take your pencils again. How wonderful. Alors, burnish with white. Burnish, c'est vraiment blendé, mais blendé dans le sens de... Blanc n'est pas très propre. Vérifiez toujours que votre blanc est propre. Et je vous le dis chaque fois, et le pire, c'est que j'oublie. Always check that your white is clean. Each time I tell it to you and each time I forget myself. Here, I don't know. I think I had some green on my white. It was awful. So I'm just going above. White is already a little bit too early. I will prefer first to burnish with the blue slate. Because my planet is too white, I think. Bon, je vais d'abord, en fait, passer le blue slate pour blender ici tous ces bleus. Parce que je trouve que ma planète est un petit peu trop blanche. Donc, je vais mettre plutôt du blue slate en premier. Paige says, yes, thank you so much. You're very welcome, Paige. Welcome back in the coloring community. We're so happy to have you again. Beth says, the sky is gray, white, but the leaves are amazing against that background. You like me, Bev, because when I see the leaves, I always watch them to see how the light is on the leaves and how to represent the shadows, you know. Now I watch everything with a colorist eye. And it, when I walk in my garden and I see droplets of water on the grass, I just stop and watch. How are these droplets of water? How could I draw them? I watch everything with the colorist eye now. And regularly I stop and I say, ah, just stop. There is a wonderful light on this tree. I just want to watch it a little bit to know how the shadows work. Aujourd'hui, je regarde tout avec un œil de coloriste. Si je suis dans mon jardin et qu'il y a des gouttes d'eau sur les trèfles dans le jardin, je vais m'accroupir, m'arrêter et regarder les gouttes d'eau avec l'œil du coloriste. Genre, comment je pourrais faire pour mettre ça sur ma page de coloriage? Et très souvent, quand on est sorti avec mon homme et mon petit garçon, je m'arrête et je dis « Ouh, stop, 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 là, il y a un beau rayon de lumière sur cet arbre, ça donne trop joli sur les feuilles, laissez-moi regarder. » Ils sont bien patients tous les deux, ils savent que c'est ma passion. Et donc on s'arrête et on regarde, même ils m'aident à prendre des photos. On a Damien qui dit « Bonjour Barbara, bonjour tout le monde, hello coloring people. Salut, salut Forest Boy, comment tu vas aujourd'hui ? » Est-ce que tu as déjà commencé à colorier dans ton nouveau livre ? We have Leslie Lady Hawk who is here and who says, beautiful, I just came in. I've been looking forward to this tutorial. How are you, Barbara? I'm very fine, Leslie. I'm so happy to have my new book. I'm sorry for people who are still waiting for their book, but I can't hide my joy. It's just like this. And I haven't begun to color in my new book yet because I wanted first to finish my wizard workshop for the competition. And now I'm working for you on this page. And then when we'll be finished to make two live streams on this page, I will begin with you a live stream in Rooms of Wonder with great pleasure. Here I blend the black into the blue with the blue slate. Voilà, ici je viens vraiment amener le noir à l'intérieur du bleu avec le blue slate. En fait, pourquoi j'ai pas mis du blanc? Parce que je trouve que le blanc Prismacolor, il a une tête, il y a un petit peu de jaune dedans. Et donc, je trouve que sur le bleu, quand on n'a pas mis assez de bleu, eh bien, ça fait gris, ça fait sale de mettre du jaune dans du bleu. C'est pour ça que je préfère d'abord blender avec le blue slate. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris le cloud blue, qui n'est pas repris dans la liste des couleurs du livre. Mais je trouve que le cloud blue se prête beaucoup mieux. Alors, de temps en temps, vous voyez, je nettoie la mine de mon crayon parce qu'il y a du noir qui se met dessus et je n'ai pas envie d'amener trop de noir dans les parties claires. Donc, de temps en temps, j'enlève le noir qui va sur la mine de mon crayon.
From time to time, I remove the black, which is going on the tip of my pencil, because I don't want too much black in the lighter space. Okay, so now we can make a second layer of black. I'm going to sharpen it. And I'm going to present you my almost retired black, the one which is glued to an IKEA pencil, you see. He has almost finished his career. He will help me on this wizard workshop page. It's a nice way to finish his career, don't you think? Alors, je vais même vous présenter mon vieux noir. Il est presque retraité. Il est à l'approche de la retraite. Il a bien travaillé toute sa vie. Il est collé sur un crayon IKEA. Et je trouve que c'est une bonne façon de finir sa carrière que de participer à la page du magicien. Il a déjà participé à la première. Je pense qu'après ça, ce sera fini. Liz says that's lovely, a very happy memories. Yes, indeed. Kirsten says the sun came true here between Ghent and Brussels, so maybe the weather will improve where you live too. I hope so. That's true that usually the weather comes from the coast. Just 1 minute, because we have Penny Love, who wants to join. So I'm protecting my page with a draft sheet and I let her in. Viens, ma petite chatte. Hop. Voilà, je savais qu'elle allait marcher sur mon coloriage. I knew she would walk on my page with her dirty paws. Voilà, avec ses petites pattes toutes sales. Et alors, il faut vite que je me rasseye parce que sinon, elle va me chipper ma place. I have to sit down because otherwise she will take my chair. This is Penny. So, I'm reading the chat while Penny is saying me hello. Ah, ma petite chatte, non, oui, tu as fait une bonne promenade. Tu es toute mouillée and she's completely wet. Alors, Marcy says, I'm so excited to see this amazing technique. Hello, everyone. Hello, Marcy. I'm sorry for this little break into the teaching of the technique. It's a purring break. Alors, désolée pour cette petite interruption. Les amis, il y en a pour une ou deux minutes. Elle sera toute contente une fois qu'elle aura eu son gros câlin. Je lui fais son gros câlin et ensuite on reprend le tuto. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme commentaire? Paige says, I'm so glad that makes you happy. Yes, I'm always happy when I take my pencils. And so knowing that you are going to take back yours, it makes me happy indeed. Beth says, hi, glad we all make it in time to see everything. Wonderful, Bev. Alors, Damien dit, merci Barbara de m'avoir motivé à reprendre mes crayons. Oh, ben ça me fait plaisir, je ne savais pas que c'était moi qui t'avais motivé, Damien. Ça me fait super plaisir. Damien a participé à une petite collecte de coloriage que j'ai fait pour Johanna Basford. Et donc, je lui ai apporté quelques coloriages de certains de ses fans francophones. Et donc, c'est comme ça que Damien a carrément coupé une page dans son Forêt enchantée pour l'offrir à Johanna. Vous vous rendez compte? Elle était trop belle, cette page. Hein, ma petite chérie. Alors, Namalou dit, en coloriant l'or, je suis maintenant à 30%. Heureusement que je ne suis pas notée. Tu seras toujours notée 10 sur 10. C'est comme à l'école des fans, Namalou. Mais moi aussi, je t'aime, ma petite Penny. I love you too, my little Penny love. Moi, petite chérie. Angela says, yes, if I see a nice view, I always think that would make a good background. Ah, you have the same as me, Angela, watching everything with colorist eye. Céline dit, oh oui, d'autres techniques, s'il te plaît. Eh bien, avec plaisir, Céline. Leslie says, I also look at how light and shadow work on objects, especially trees, and I describe colors with Prismacolors. Colors. We all have the same thing, I think. Liz says, have you chosen a page from the new book yet? Which one to do next? Yes, I've chosen a page. I can show it to you because Penny is taking my page here. So I'm going to show you the page. It's the underground mushroom page. Alors, la page que je vais faire avec vous après,
C'est celle-ci. Alors, sauf si je change d'avis, hein, parce que c'est artistique, hein, c'est de l'inspiration. Je peux montrer, Penny? Ça ne t'embête pas? Tu ne m'as pas marché sur mon nouveau livre, hein, ça non. Hein. Donc, voilà, si je ne change pas d'avis d'ici là, puisque l'inspiration, ça ne se commande pas, j'ai bien envie de faire cette page-ci avec vous, parce qu'il y a plein de champignons différents, et il y a plein de manières différentes de faire les champignons, donc c'est génial. I really want to make this page with you, because there are lots of different mushrooms and... lots of different ways of coloring mushrooms, so I will really enjoy it. And those little jar with the light inside, it's inspiring me very much. It's inspiring you too, Penny. Ça inspire ma petite Penny aussi. Voilà, j'espère que ça vous plaît comme page. Et alors, sachez que Emily va faire un live tous les jours de la semaine dans Rooms of Wonder. Elle est partie pour un marathon. Excusez-moi. Il y a mon petit chat qui me fait un bisou. Et donc, vous allez pouvoir voir les lives d'Emily aussi toutes les semaines. And I want to let you know too that Emily is going to make a live every day in Rooms of Wonder to celebrate the launch of the new book. So, you'll be able to follow Emily too every day in Rooms of Wonder this week. Alors, Penny, je ne sais même plus lire le chat là. Oh là 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 là, elle veut vraiment que je la prenne dans mes bras. She really wants me to take her in my arms. Alors, Frédéric demande si je me sers souvent des albums coloris spécial effect, est-ce utile de les acheter? Alors, écoute, c'est vraiment utile. La seule chose, c'est que moi, je les ai eus vraiment sur le tard. Et du coup, quand je les lis, en fait, c'est des techniques que j'ai déjà développées par moi-même. Donc, je pense que quand on débute, ça donne énormément de techniques. Limite, vous ne savez pas vous donner la tête. Et quand on est à un stade un peu plus expérimenté, comme moi qui colorie depuis 4 ans, toutes les pages ne me sont pas utiles parce qu'il y a des choses, par exemple, comment colorier des glands de chêne? Eh bien, j'avais déjà fait un tuto. Comment colorier des glands de chêne, et globalement, j'ai utilisé la même technique que celle qu'il y avait dans le livre, sans avoir le livre. Donc oui, ils sont utiles, il y a plein de choses vraiment intéressantes dedans, et c'est tellement varié que je pense que d'office, tu trouveras des choses dedans, même si tu es plus expérimenté comme moi. Donc je ne les utilise pas énormément souvent parce que j'y pense pas, mais ici, je me rappelais qu'il y avait des planètes, et tu vois, voilà, ça a vraiment donné un tournant complet à ma page de faire cet orbe, et ça a complètement transformé ma page. Donc je suis vraiment contente d'avoir regardé dans le livre. Frédéric asks if I'm often using the colorist special effect. Well, they are very interesting books. So right now, I've developed some techniques by myself. So some techniques explained in the book, I already knew them because when you color for a while, you learn some techniques without the book, of course. You learn by yourself. But there are new things like the blue orb that are really wonderful in this book. And this book has really changed my wizard workshop, because without this orb, the page would have never looked like it does look today. So they are really useful books. I advise you, if you're interested, to buy just one, and then you see if it's something that speaks to you. It's useless to buy the four and then never using them. Just buy one and you'll see. And for me, it's really, really good books. Emily says, hey, so mischief views, Penny and Paul would get along so well. Yes, I think they would. I think I'll have to take her and put her somewhere else because she will never move by herself. Alors, bon, on va bouger Penny parce que là, ça devient un petit peu long. Liz says, we need a cat in the wizard's room. Yes, I had a black cat in my wizard room, but he's gone now. He's gone to my mother's house. It was Leo during my mother's vacation. Millie says, haha, he's always got some destructive plans. Is he? Marcy says, Penny is a lovely color. So pretty. Yes, she's so pretty. Liz says, a penny cat. Has Joanna have a cat in any of her books? Yes, of course. In Worlds of Wonder, there is a few cats. Inwardly artful with Christy says, my cat does the same thing when I start to color. She just wants my attention, but now she just don't need my attention. She's just cleaning herself, so she can do that somewhere else. Penny, est-ce que tu veux bien aller faire ça ailleurs? Allez, oui, voilà, hop. Voilà, je récupère ma page. En plus, maintenant, c'est pas ton propre. Vous voyez, heureusement que j'ai mis ça, hein, parce que c'est super sale. Voilà, tu marches plus sur ma page. Tu peux rester là si tu veux, mais sans marcher sur ma page. Liz says, I have no idea on this one. Fungi. Wonderful. We can color together, Liz.
Angela says, I've been looking at that one too as a chance to try to do light and dark. It's a wonderful idea, Angela. So I'm going to not to read all the comments because we have to continue coloring. I'm reading, but I can't read aloud. Daniela says, my lasagna came to say hi to Penny. Hi, lasagna. Sweet hug to you. Katrina says, hello, Barbara and everyone. Hello, Katrina. Caroline says, I would love to see how you color the potions too, from the Vienne in France. So you speak French, Caroline. Okay, so now we can continue. Penny is gone. Allez, on va continuer. Penny est partie. Je vous rezoome à moitié. Voilà, comme ça. Donc, on était sur le noir et on était en train de réemployer notre noir qui est proche de la retraite. So, we were using the black with our almost retired black. And so now it's time, you see, in the outside edge to make it quite black. Because without the black, you don't have the glow. The black is really needed to have a glow. So if you're afraid of the black, it's the right time to embrace it, isn't it, Emily? Daniela says, I love the penny breaks. Thank you, Daniela. Sometimes I'm a little bit embarrassed because, especially on live streams, it just stays there 10 minutes or 20 minutes. It's a little bit too long. On recorded video, I just cut. My video, not the last one, not the one of today, but the one of yesterday, I had Leo coming during a flip through I've shooted and he stood there 15 minutes and the flip through is lasting 12 minutes. So it was just impossible to let the pictures of the cat during more than the time needed for the flip through. So I just cut it at the editing. Of course, I did let some minutes, 2 minutes, like something like that. Because he's so gorgeous and I was so happy to have him there. Leo is a kitten I have tamed. He was a stray cat, very wild. And the vet said, no, this one, we have to free him because you will never succeed to tame him. And I said, well, I can try. I have nothing to lose. If I don't succeed, he can go back in the street. And he became such a lovely cat. Oh my God. If you want to see how lovely he is, you can watch the video of Island Escape. You see, with the black hair, immediately, the orb looks like shining more. Vous voyez qu'avec le noir ici, immédiatement, l'orbe semble briller plus. Alors sur les bords, voilà, maintenant vraiment, je viens blender beaucoup avec du noir pour avoir un beau noir. Et je vais vous montrer un truc que j'ai inventé. Alors, je ne suis peut-être pas la seule à l'avoir inventé, mais en tout cas, je ne l'ai jamais vu nulle part. Si vous voulez vraiment un beau noir et pas y perdre tout votre crayon noir, je vais vous montrer ça juste après. So now, as soon as I'm finished it, before continuing the orb, I'm going to show you a little tip I found to have a very dark black. I've never seen this tip anywhere else. Maybe some other people use them, but I've never seen it before. And it's a tip I've made to have a really dark blue. Really dark black. I won't show it to you right now because first we need to erase some places to have the kind of waves effect. Emily says it is embrace the black. Almost retired black. Miss Pondy, mais pas que dit. Oh, c'est très beau, bravo, merci beaucoup. Leslie says, should the glow effect be done before the rest of the page? Well, I prefer so because you see we are hiding lots of space here with the black. And so if you do the rest of the page first, well, you don't know really where to stop with the black, with the colors, because it's useless to color some places and then put black on it. So yes, I think the glow should be done first. Hello, Annette. Chantal Bellov nous rejoint. Coucou Chantal, bienvenue. Liz says, I can imagine me embracing the black background.
That's wonderful. Let's embrace the black. Vivienne says the black is what does the magic. Indeed, Vivienne, exactly. Donc, le petit truc que je voulais vous montrer pour faire votre noir bien noir, en fait, je ne peux pas vous le montrer tout de suite parce que je vais d'abord devoir gommer. Et une fois que j'ai fait ce truc, je ne peux plus gommer. Voilà, vous voyez là déjà, on a l'effet glow qui va vraiment très fort. Ensuite, étape numéro 5, Copenhagen Blue. Ça, c'est le bleu foncé, 906. Alors, crispen, I don't know what it means, crispen. Maybe some English people can help me. Sharpen, crispen or sharpen. Donc, peut-être très taillé, very sharp, I don't know what it means. And blend in the black background. Donc, on utilise le Copenhague pour blender le bleu dans le noir. Moi, j'en ai mis aussi sur la planète pour avoir plus de contraste. So, we use the Copenhague blue to blend the black into the blue, like this. And I've used it also on the planet to have more contrast, but you can keep it like this if you wish to have it very light. Apay says the black is genius. Yes, indeed. It really has an incredible effect. Annette says, what inspired you to do it like this, Barbara? Well, Annette, I was looking in my colorist special effect number 4. I remembered there were some planet tutorials. And I flipped through the book and I found this tutorial. And I said, that would be perfect in the in the wizard workshop. So 1 hour has gone and my speech therapist was white. My voice is not good anymore. I will just need to take a pill. Sorry, I'm back in 1 minute and drink a glass of water. Mini says, yes, crispen and sharpen basically mean the same thing. Kind of like hard line versus blurry lines. Okay, thank you, Emily. To crispen would mean to make hard lines stand out a bit more. Wonderful. So we are going to sharpen our pencil. Katrina, this is the number 4. Colorist special effect number 4. You can find the link in the info box to know precisely which book it is. So here with some lines, I'm going straight into the white, but not everywhere, of course. Alors ici avec le bleu Copenhague, le 906, je rentre un peu dans le blanc, mais pas partout. Alors je le fais bien aller sur la frontière entre le noir et le bleu. And I use it like quite well in the edge between the black and the blue. Leslie says, that's a wonderful story and you special kitty. With patience, stray dogs and cats can be great pets. Our big dog, Sydney, was a street dog. She was rescued and rehabbed before she came to us. Wonderful, Leslie. Marie dit, je suis faible, j'ai commandé le livre. Lequel, Marie? Rooms of Wonder ou Colorist Special Effects? Liz says, oh, Barbara, your poor voice. I do hope it will get better. I'm sure it will, Angela, because I've met a wonderful speech therapist and I've seen her just only once. So it was a session to know exactly where the problem was. But she listened to my videos. It was very useful for her to listen to my voice after 20 minutes of speaking, then after 1 hour and after 2 hours. And then she had a precise idea of where the problem is and she can help me. I'm sure she can help me, so it will need time and daily exercises, trying to make the live stream not too long and not too enthusiastic. That's not easy for me, but I'm sure I will be okay. Thank you for asking, Liz. Angela says, maybe you should limit your lives to 1 hour at the moment. Yes, that's the deal. I should, Angela, but you know, I can't let that orb in that shape
just now and continuing the next time. It's just not possible. And I can't make a live stream without talking, so today it won't be possible. I'm sorry. Angela says, that's wonderful news that you have found someone to help you. Thank you, Angela. You know, you've sent me some links about the voice and how to protect the voice, but it's written one on a picture and it's too difficult to I can't pass it to open it on YouTube. So if you have the links in a Word format or text format, could you send them to me with Messenger, please, Angela? So I could click on them and watch the video. I'm sure they will be very useful. Nikki has the name of the book. It's written in the info box, Nikki. It's Colorist Special Effect number 4 from Ellen Elliston. You're welcome, Katrina. Liz says, love you for your art. It's great to get a specialist for your voice. Yes, it's very useful. Okay. Now, black grape. I hadn't announced that color. And of course, I hadn't prepared it for the contrast. I even don't know where it is. Alors maintenant, il faudrait du black grape pour le contraste. Ah, il est là, black grape. Alors le black grape, vous voyez, c'est un rouge très foncé avec un peu de rose dedans. Et ça ajoute du contraste. So now we need the black grape. Leslie says, do you like other books? Which would you recommend in addition to this number 4? Well, I have the fourth, the fourth one, Leslie, and they are all wonderful, really. So I would, if you want to buy more than one, I would recommend you the 4 books because they all are wonderful. Just adding some dark shapes here and there. We've almost finished. On a presque fini, les amis. Liz says, I found I got a sore voice when I was a teacher and teaching assistant. It's hard not to strain it or raise it too much. That's true, especially when we are so happy, like I am today. A happy voice. I should try to speak less, very softly, but it's not me. Alors, je ne sais pas si j'avais mis du black grape ici, je ne pense pas. I don't think I had used black grape here. So now I will add a tip of mine, which is not in the book. I just add the cloud blue, or you can take any light blue of Prismacolor. You can take the sky blue light or the powder blue. It's, for this kind of effect, it's the same. Voilà, ici je prends le cloud blue pour un peu plus blender plutôt que du blanc. Comme ça, on n'a pas cet effet un peu jaune. So I don't really like using white to blend the blue, because I think all the white I know, they have a slightly yellow tint in them. And so when you use it to blend the blue, I think it gives a kind of yellowish, dirty effect, because yellow doesn't fit with blue without making it green. So that's why I often prefer using the pale shades of Prismacolor, which are already perfect, completely perfect to do this. And so I do the same here.
But I rinse my pencil regularly because I don't want to bring some black here. Ici, je fais pareil. Mais j'essaie de ne pas amener du noir. Donc, je rince mon crayon régulièrement sur ma petite feuille de brouillon. Marie dit la chambre des secrets. Ah, trop bien. En plus, il sort bientôt. Il sort le 26. Et c'est, ça sera le très bon papier marabout. Moi, j'adore le papier marabout. Qui est bien lisse et bien blanc. C'est un papier super agréable pour travailler. Pour faire ce genre d'effet, Marie, si tu veux faire l'orbe dans la chambre des secrets, ça donnera super bien. Alors, ce que ma logopède m'a aussi dit pour protéger ma voix, à part de ne pas dépasser une heure dans mes lives, c'est qu'après un live, je dois me taire pendant aussi longtemps que j'ai parlé. Donc ici, si je fais un live d'une heure et demie... Là, tu dois te taire pendant 2 heures. Oui. Antoine qui dit donc là, tu dois te taire pendant 2 heures. On va se reposer. Mauvais vilain. Alors, ensuite, je vais mettre un petit peu de Posca. Je pense que c'est le bon moment pour mettre du Posca. Now, I think it's the right time to add some Posca pen. White one. Just to darken the ring here. Voilà, ici on va mettre du Posca pour les bords de la planète. Alors, ce que j'ai fait l'autre fois, parce que c'est un papier imprimé, c'est que d'abord j'ai colorié en blanc dessus pour avoir plus facile à recouvrir. So, what I did last time, because it's printed paper and so sometimes the ink bleeds through the Posca pen, it's home printed. I just use the white to blurry already the line and so it will be easier to have a very white line with Posca when we have already made white here. You see the ink is bleeding when I apply the white, so it will bleed with my Posca too. Voilà, le problème, c'est que l'encre, ici, c'est une impression maison. Hein, et du coup, l'encre, ben, écoutez, elle se répand quand on appuie dessus, vous voyez. Et donc, pour que mon Posca ait un meilleur effet, je repasse avec du blanc. You can also use a Caran d'Ache full blender to do this, because it will apply a layer of wax above the black line, and so it won't bleed on the Posca. I remember with this one, I have redrawn the Posca line 5 times or 6 times because every time the ink was coming up. So in the book, we won't have this problem, of course, because the book is professionally printed. Évidemment, si vous faites ça dans le livre, vous n'avez pas besoin de faire cette étape de mettre le blanc sur la ligne noire parce que le livre est imprimé de façon professionnelle. Et donc, on n'a pas l'encre qui se déplace. Apei says, this look like the solar eclipse that happened 5 or 6 years ago, the middle of the day turned night and the sun blocked out with the edges, bursting out like this, looked like diamonds. I'm so happy it reminds you this spectacular event. Est-ce qu'il n'y a Paddy? Paddy? Alors, j'ai lu, Namalou, que tu me demandais si ça m'arrivait parfois que mes 3 chats viennent sur moi pendant que je coloriais. Non, ça n'arrive jamais parce qu'ils ne s'entendent pas si bien que ça. Donc, quand il y en a un, ben, les autres ne viennent pas. Genre à se faire des câlins l'un à l'autre. Voilà, ici, on va attendre que ça sèche pour mettre une deuxième couche. Here we are going just to wait for it to dry before applying a second layer. So... Now we need to make the smoke. So for the smoke, you have to use this. Alors pour faire la fumée, ici autour, vous voyez les petits raies de fumée qui vont comme ça un petit peu en vague. J'utilise ceci, donc c'est une gomme à pointe fine. Bon, si vous n'avez pas de gomme à pointe fine, vous pouvez utiliser la Derwent, la normale, qui est ici. Et alors simplement, vous retournez votre gomme et donc vous avez le bord.
Donc, vous pouvez gommer vraiment avec le bord ici pour avoir une pointe fine. So, this is the thin eraser. You have the link in the info box. USB eraser. And if you don't have this one, you just can take your Derwent electric eraser and you put it upside down. And you see you have the new tip and you can use the edges to make precise erasing. But now, as I have the half mat, I just can do it like this. So, we make some, you see, some rays of smoke here. Like something like this. You see, with the eraser. Oh my God. Alors, donc, on fait ça. On fait des petits mouvements qui sortent un peu. Vous voyez, là, ça fait vos effets de petites vagues. Plutôt que de les faire au début avec vos crayons, ça aurait été quand même trop compliqué, je pense. Régulièrement, je viens rincer ma gomme. Voilà. Alors, normalement, j'ai une brosse à blush quelque part, ici. Here is my makeup brush to remove the crumbs. Don't use your hand, otherwise you will spread the black on the rest of the page. And then, I take back my different blues, you know, to redraw the shape of these little waves. This is the dark blue. And I go back on the lines with lighter blue. This is the light cerulean blue. Oui, mon petit Paddy. Tu peux aussi venir te montrer. Est-ce qu'il y a mon chaton? Pas content? Et donc, vous faites ça tout le tour. Bon, je ne vais peut-être pas le faire aujourd'hui parce que ça va me prendre un petit peu de temps et qu'il ne faut pas que le live dure trop longtemps. Mais vous faites cet effet comme ça tout autour. So, you do this all around. I won't do it now because it will take too much time. But you do this effect all around with the eraser. Then you redraw the shape with the Copenhagen blue and then with the light cerulean blue. OK? You see? Oui, mon petit Paddy. Now, I'll show you my tip to have a very, very dark black because it's very difficult. Paddy? Oui, c'est ton tour. Oui, sorry, the second one. Désolée, c'est le deuxième petit chat. Alors, ici, pour faire un noir vraiment très noir, je prends mon Derwent Black, le 2200. Et je prends mon pinceau à réservoir ici. Celui-ci, c'est un petit peu, il est peut-être un peu gros. Celui-ci, je vais prendre de taille 2. This is perfect. And so I take the black directly on the pencil, not above the page. Otherwise, I will spread black on the page, but above my draft sheet. Alors, je prends le noir directement sur le crayon. Oui, mon petit Paddy. Avec mon pinceau. Voilà. Et alors, je viens refaire des traits noirs ici. Par-dessus le crayon. Pardon. So you see, you can use the black ink of the Derwent Intense above the Prismacolor pencil. And so it will really give depth to your black and make it really black. Tu veux la chaise? Tu peux l'avoir. He wants the chair of the Prismacolor pencil. So yes, you can have it. Paddy, no need to stay here. We already have had Penny. It's purring. Oui, mon petit Paddy. Oops. Big drop of water. This is new. This say, oh, Paddy. And Daniela says, so cute. Black Intense, thanks for the tip. You're welcome, Liz. So you take it here. And you can make lines. And there is too much water on my pen brush. It just wanted the second chair. And I usually put my Prismacolor on the second chair. So he was coming to me to say, just remove your pencils. It's my chair. So did I. And now he's happy on the second chair next to me. Too much water here. Up. Voilà, si vous avez trop d'eau, simplement vous épongez avec votre petit essuie-tout.
Ouais. Et donc, vous faites ça tout le tour. En n'oubliant pas de laisser des parties plus claires, hein, là où vous avez gommé. So, you do this all around. Just don't forget to leave white waves, you know, where you have erased with your electric eraser. And you do this all around. Okay, so I won't do the rest because you've understood the principle. Voilà, je ne vais pas faire le reste, hein. Je vous ai montré, vous avez compris. Ensuite, on reprend le Posca. Then we take back the Posca pen. I would add a little more of... here, I would add a little more of Copenhagen blue because I think it's too light. It's up to you. You can rework it until you're happy with the color. Voilà, ici, vous pouvez retravailler. Of course, you can color again above the black intense when it's dry. So, it's very useful. Okay, like this. And then you take back your Posca. What did they say? Thicken the ring and blur the ring edges by erasing and then applying white pencil. Alors, ici ensuite... On prend la gomme, on vient bien la rincer, la nettoyer évidemment. Now we take the eraser and we do as was told. Voilà, alors ensuite avec la gomme, on vient élargir la zone ici autour du rond. Comme ceci. De façon irrégulière. We just enlarge the white line here around. And with a random shape, you know, you make like little circles. Like this. And then you use the white. Check if it's clean. To blend it into the rest of the orb. Ensuite, vous utilisez le blanc pour blender dans le reste de l'orbe. Nietzsche says, well, I've enjoyed watching, but I'm falling asleep. Have a restful night, Nikki. See you on the replay for the end of the lesson. Leslie says, the covering lines with a white pencil or the full blender before adding Posca is brilliant. Thank you. You're welcome. It's a tip I found because I was struggling with my black line. And so it was always appearing above the Posca. So using... a white pencil or the Caran d'Ache full blender. I can't show you it because I don't know where it is, but if I find it, I will show. No, it's nowhere to be seen. Non, j'ai pas le Caran d'Ache full blender sous la main. En tout cas, je ne le trouve pas, donc je ne pourrais pas vous montrer, mais vous pouvez utiliser ça à la place du blanc sur vos pages imprimées avant de repasser les lignes noires si vous avez des problèmes d'encre comme moi. Alors, vous voyez ici maintenant avec le Posca, je viens aussi un petit peu gribouiller sur les bords pour que ce ne soit pas une ligne toute nette. So, with the Posca, I'm going to scribble along the edge so it's not a clear circular line, so it will add... to the glow of the planet. And then you add white Posca pen thin on inside of the ring, and then you add dot and covered movement. So here, as we have a planet, I just cover this black line, and I play with it. Of course, you don't have to make your orb in the middle of a night sky, for example. You don't need to make this. I just made it to respect Johanna's drawing. Donc ici, comme on a des petites planètes autour, des petits satellites, bien, j'utilise mon Posca pour redessiner les lignes. Évidemment, si vous faites cet orbe sur un coloriage de nuit, par exemple, à la place de la lune, ben, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Alors, pour les petites planètes, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé de les faire en sombre, j'ai essayé de les faire en clair.
Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que je les ai faites en blanc. Mais pour les faire en blanc et mettre une petite ombre, j'ai d'abord colorié dedans. So for the Little Planets, to make them white and have a shadow, I've just used some blue to color inside. It was the cerulean blue. Where is it? Alors, j'ai perdu mon cerulean blue. Ah, il est là. Donc, simplement, vous voyez, Johanna a déjà dessiné les ombres. Il suffit de les repasser au crayon bleu. Just very simply, Johanna has already drawn the shadow of the planet with little dots. So, you just have to follow her with the blue. Then, I had to take the sky blue light or the cloud blue, whatever, to blend this. Alors, ensuite, j'ai utilisé un bleu très clair, le sky blue light ou le cloud blue. Pour blender ceci, comme ceci. One minute, Paddy is eating plastic, he can't. Paddy, est-ce que tu as trouvé du plastique? Voilà, désolé, Paddy va manger du plastique. Il est addict au plastique, ce chat. Tu ne peux pas laisser traîner un sac sans qu'il le trouve et qu'il le mange, mais il l'avale. Donc, je suis allée vite l'empêcher. So, Paddy is addicted to plastic. When he finds a plastic bag, he eats it. But really, he eats. There are parts missing. So, I had to take off the plastic. Usually, I never let plastic on the table, but... That was the plastic of the last book I've received and I hadn't the time to throw it. Ah, and then I put some dots here to make it white again. Et ensuite, voilà, j'ai rempli en fait la partie foncée avec des petits points pour refaire ça blanc. Mais il y a quand même une ombre. He has found the plastic back. Il a retrouvé le plastique, j'arrive. Ça dit. Oh là là. Look at this. He's eating the plastic. You have the shape of his tooth here. Voilà, il mange le plastique. Vous voyez, là, il y a la marque de ses dents ici. C'est un calendrier que j'ai reçu. Un très beau calendrier artistique. Et je ne l'ai pas déballé pour ne pas l'abîmer. Et Paddy mange le plastique. Liz says, I wonder who live on these planets. Probably a world of wizards and witches and muggles. Who color? We are the muggle. The VIP muggle invited on those satellite planets of the orb. Liz says, naughty pussycat eating plastic. Yes. Each time I have people in my home, I have to tell them, just hide all your plastic bags. Otherwise, Paddy will find it and eat them. It's very dangerous. It could block his belly. Oui, oui, c'est dangereux, Paddy. C'est très dangereux ce que tu fais là. Voilà. Ça, c'est bien. Alors ensuite, on ajoute des petits mouvements, vous voyez, avec son... Bon, évidemment, avec la queue de Paddy, ça marche moins bien. Je vais le laisser sortir. Viens, Paddy. Paddy, viens. Paddy, viens. Well, sorry, I opened the door, so he will stop annoying me. So then you add some movements in the orb. So I had made the choice to hide the little stars. So I've used the Posca pen to hide the star and the dots to make my orb lighter. And then you make some movements like this, you see. Some lines making it like there are some rays of I don't know what, going out of the planet. Voilà, comme s'il y avait des tempêtes de particules. Pas du tout comment on dit ça en anglais. Qui sortent de la planète.
Alors, vous pouvez faire sortir des petits rayons aussi comme ça. You can also make some rays going out like this. And you can use them to erase some of the patterns you don't want behind, if you wish, like this piece of the window. Voilà, vous pouvez utiliser ces petits traits pour un petit peu effacer les motifs que vous ne voulez pas, comme par exemple les petits bouts de la fenêtre ici. Et voilà les amis, je pense qu'on peut dire qu'on a fini notre effet orbe. Évidemment, ici, normalement, je devrais repasser d'abord au Derwent Intense noir, hein, pour que ce soit bien noir, mais je vous montre quand même la fin. So, normally, I should have done the Derwent Intense black here before, because now it will be difficult with the Posca pen, but it's just to explain to you the principle. Alors, ces étoiles, je trouve qu'il y en a un petit peu trop, donc moi, je vais les repasser en bleu. So, those stars that I've hided with the Posca, I think there are a little bit too much white dots on the orb, so I will probably go back with a blue on this. Et voilà, on a l'effet orbe grâce au coloris spécial effet qui ressemble assez fort à celui que j'avais fait ici. So here we are, my dear friends. We have the orb effect. Thanks to the book, Coloris Special Effect, and you see that it looks quite like the orb effect I had made on my page here. So you see, it's not difficult. I think in 1 hour you can do it if you don't chat with 50 persons at the same time. Je pense qu'en 1 heure, vous pouvez le faire en suivant ce live. Bon, du coup, ça va vous prendre 1 heure et demie si vous suivez ce live parce que j'ai discuté avec vous. Mais voilà, c'est quelque chose de tout à fait faisable en 1 heure. Donc, vous pouvez tout à fait faire ça dans des ciels. Je vais essayer de vous trouver des exemples. Une petite minute. I'm going to try some to find for you some example of night skies where you could do that effect. Well, here you don't have much place to do this, but I'm sure there are some other places in the book where you can do it. And it would be gorgeous. Well, here for example, you see, I've made quite of an orb effect, but you can as here. But then you need to make all the pavilion very dark. Voilà, ici par exemple, vous pouvez très bien utiliser ce rond pour faire cet effet-là et avec un ciel de nuit derrière. Je regarde ce qu'on a d'autre, mais Johanna laisse toujours des pages avec des ciels assez grands qui vous permettent de mettre plein de choses dedans. So Johanna often makes sky with big here. Here, this is an idea I have. You can take it if you wish. It's to replace the star by the orb. Voilà, ici, par exemple, vous pouvez très bien remplacer l'étoile par une orbe plus petite, évidemment. Et du coup, vous avez tous les reflets sur le lit. Voilà, c'est une idée que j'ai pour cette page. Vous pouvez la prendre, hein, si vous voulez. Juste dites que c'est moi qui voulais souffler l'idée. Mais si vous avez envie, vous pouvez. Ici, on peut faire ça. Bon, ici, moins, puisque on peut remplacer le ballon par une orbe. Mais alors, c'est un petit peu plus grand. Alors, ici, j'avais ajouté la lune. Mais vous pouvez faire pareil avec l'orbe. Vous pouvez ajouter une orbe à la place. Cette lune n'y était pas. Hein. J'ai ajouté la lune et les montagnes. Here, I have added the moon and the mountains. But, of course, you could add the orb instead of the moon, making the patterns black here. Alors, je lis un petit peu les commentaires. I'm reading the comments. Namalou dit eruptions. Ah oui, eruptions, c'est sûr, c'est ça. Merci, Namalou. Lee says, I had never had a cat who did this. A dog would eat anything, but not a cat, yes. He doesn't eat anything. He eats plastic. And the vet said it was very dangerous. He could make some big stuff in his belly. And so it stopped his ability to eat. Bravo. Thank you, Angela. Liz says, thank you for showing the effect. En fait, je vais vous remettre l'effet ici plutôt. I get what you mean about the intense. Yes, the intense, you see, it makes the black very, very black. Namalou dit, ton colo est vraiment magnifique, Barbara. Merci, Madame Alou. Leslie says, will you have a tutorial for the rest of the page? So, Angela has answered for me, yes, I'm going to show how I did the
oceans, but not the whole page. So I will make the next tutorial about this page. And I'll show you how I made these effects. So I will finish the orb effect and I will show you how I made the background here. And maybe we can make this row of potions or this one. I don't know which one you prefer. You can choose. And I'll show you how I made the candle effect too. Oui, la prochaine fois, je peux vous montrer comment j'ai fait les potions ici ou celle-là. Vous pouvez choisir. Je pense pas que j'aurais fait les deux sur un live qu'on va essayer de ne pas dépasser une heure. Et je peux vous faire l'effet bougie aussi. Et comment j'ai fait le fond ici qui était fort... allez, pour qu'il soit à ce point sombre. Namalou dit, tu pourras faire la page avec nous. Ben non, donc pas toute la page, Namalou, parce que j'aurais pas le courage de la colorier une deuxième fois. Je vous montrerai quelques effets. This says, a magical dream bed, I powered by the orb. Yes, it could be. Emily says, gorgeous moon. Thank you, Emily. It's an idea of Antoine. Because I told when I was making this in live coloring, on the Facebook group, Johanna Basford, your page, I said to Antoine after the part when I have done this, I said, people asked me to do a background, but I hadn't thought of doing a background here. It was only a tutorial. They wanted tents for beginners with all the combos you can have to make a beautiful effect with the Derwenting tents. And so this, I want to make a night sky, but here we won't see the patterns anymore because they are blue. And so Antoine told me, but you just have to make a moon there. And so you'll see the patterns. Oh, what a wonderful idea. So that's how was born the idea of the moon. Thank you, Antoine. Voilà, c'est comme ça que l'idée de la lune est née. C'est grâce à Antoine qui m'a dit de mettre une lune ici si je voulais faire un ciel de nuit pour qu'on puisse bien voir encore les motifs. Bleu foncé. Leslie says, Angela, that's just fine. I just want to hurt. I wouldn't want her to hurt her voice. Thank you, Leslie, for your support. Karen says, I'm looking forward to implement it in my coloring page. Wonderful, Karen. I'm just looking for other night sky. Can use to do it here. You could use it here, but this would be a tough word because it's a very, very big circle. So maybe not this one because it's too big. But you see, in Johanna's page, you have lots of pages where you could add here. For example, you can add the orb instead of a moon. There are really lots of pages where you can add this effect here too, if you wish. So you see, there are plenty of pages here. You can add it here or make a big orb here. Voilà, vous pouvez en ajouter un ici. Je vous ai montré plein de pages. On peut le faire chez Johanna Basford. Elle a laissé plein d'endroits pour faire des effets comme ça. Donc, voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez mettre cet orbe à un autre endroit, simplement, à ce moment-là, je vous conseille de le faire en plus petit. So, if you want to place this orb somewhere else, I just advise you to make it smaller than this one. Because the more small it is, the less work you will have. Voilà, plus petit il est, moins de travail vous aurez. Voilà, je lis encore quelques commentaires et puis il sera temps de couper et de reposer ma voix. I'm still reading some comments and then it will be time to cut and to stay silent during 2 hours. How shall I do this? Il faudra que je me mette dans 2 heures selon les instructions de ma logopède. Oh là là, je ne sais pas comment je vais faire. Annette says, you are amazing. Thank you for sharing this with us. You're very welcome, Annette. Thank you all for joining this live coloring. It was a pleasure to have you all here with me. Namalou dit, non, la page du lit dans l'autre livre avec l'orbe. Ah, c'est une idée, Namalou. Il faudra que tu me le rappelles dans 3 ou 4 mois parce que là, je suis déjà full pour les 3 ou 4 prochains mois. Leslie says, I love it. Thank you so much, Leslie. Manon dit, j'ai adoré ce live. Oui, Antoine? Je ne peux plus parler pendant 1 heure et 45 minutes. Antoine dit, maman, tu ne peux plus parler pendant 1 heure et 45 minutes. Antoine says, I have to stop talking during 1 hour and 45 minutes. He's counting. So each minute I speak to you, he will count it as in addition in the minutes I have to stop speaking afterwards. Donc, Manon, excuse-moi, je me suis coupée au milieu de ta phrase. J'ai adoré ce live. Merci pour cette technique. À bientôt, Barbara. Prends soin de toi. Merci beaucoup, Manon. On se retrouve cette semaine. Je ne sais pas encore quel jour, mais on se retrouvera cette semaine pour continuer cette page. J'espère mardi. Namalou dit, oh non déjà, mais Namalou, t'as pas envie que je devienne complètement à faux et que je sois plus capable de faire de live du tout. Donc on va couper, c'est le bon moment. Damien dit, passe un merveilleux week-end, repose-toi bien. Merci Damien. Karen says, thank you for this tutorial. I look forward to trying it myself. So, my dear friends, if you try it yourself,
Please tag me. I want to show your attempts, even if you do it on a white sheet of paper. I want to see all your beautiful orbs. And please tag me. Tag me on Instagram with @barbara.color or on Facebook. And you can also use the hashtag in one word, barbaracolor. And that's all the people following my tutorial. So I'll be able to see your beautiful work. Alors, si vous essayez de faire cet effet orbe dans un de vos coloriages, sur cette page-ci ou même sur une feuille blanche, s'il vous plaît, montrez-le-moi, taguez-moi dans vos stories Instagram ou taguez-moi dans votre post Instagram ou mettez le hashtag barbaracolor en un seul mot. Pas de point à ce moment-là pour le hashtag, sinon ça ne marche pas. Et comme ça, je verrai vos très belles créations. Merci beaucoup, les amis, d'avoir suivi ce live et de m'avoir accompagné dans ce premier coloriage, dans Rooms of Wonder. La prochaine fois, nous ferons les potions. Et la fois suivante, à moins que je ne change d'avis d'ici là, nous ferons les champignons souterrains. Et d'ici là, je vous verrai certainement sur les lives d'Emily, puisque Emily va faire des lives tous les jours de cette semaine. Scandal, all what you want, you can ask if it doesn't go above 1 hour, and then we will make this page together. But until then, I'll see you all on Emily's channel, so we'll be able to color with Emily every day in Rooms of Wonder. Thank you so much, my dear friends. It was wonderful to see you back. I have suffered to be separated from you because I had to rest my voice, so it was so wonderful to have you back here. Thank you a million. Merci les amis d'avoir été là. C'était dur cette petite pause que j'étais obligée de faire pour préserver ma voix, mais ça fait trop du bien de vous retrouver. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. À très bientôt. Gros bisous. Take care. Happy colorings. Bye bye.